Ja, dames en heren, het is feest. We vieren onze gewest. Zijt vandaag 29 jaar. Het was niet altijd gemakkelijk. Veel mensen vergeten bewust of onbewust dat we zijn de hoofdstad van België, van Europa. Een hoofdstad met meer dan 160 verschillende nationaliteiten, maar ook een hoofdstad die creëert bijna 20% van het bruto nationale product van ons land. Met de middelen die we hebben, proberen we allemaal samen het best voor onze gewest te doen. Het is nooit evident, maar het lukt vaak. Dames en heren, we praten te vaak over de trein die te laat komt. Soms maakt het ook omgekeerd. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que je tiens d'ailleurs par la même occasion à saluer le travail d'une année supplémentaire effectué par tous nos députés de tous les partis politiques confondus, allant de l'opposition à la majorité, néerlandophone et francophone. Car nous sommes tous dans le même Parlement. Le seul objectif que nous devons avoir, c'est le bien-être de tous les Bruxellois, quelles que soient ses origines, sa langue, la couleur de sa peau, croyant ou pas, pauvre ou aisé. Cela ne devrait pas être une utopie, c'est eux qui font de Bruxelles ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, mesdames et messieurs, parlons aujourd'hui de ces choses qui nous rassemblent et non celles qui divisent. De la gauche à la droite, chacun selon ses convictions ne doit être finalement animé que par cette volonté de vouloir améliorer les choses qui touchent directement et indirectement nos concitoyens. Maar ons werk is niet af, dames en heren. Ook dit laatste jaar van de legislatuur staan enkele belangrijke onderwerpen voor de Brusselaar op de agenda. Ik noem er een enkele. Vanaf 1 januari 2020 heeft Brussel zijn eigen kinderbijslag. Beste mensen, Brussel heeft voor een sociale kinderbijslag gekozen. Op maat van de uitdaging van onze stad. Vooral mensen die het moeilijk hebben gekregen of krijgen meer kinderbijslag. Il fait parfois pas bon de dire que nous faisons de la politique. Mais pour les convaincus, nous devons garder espoir. Car en politique, il y a des dégoûtés et il y a des dégoûtants. Et quand les dégoûtés partent, il ne reste plus que les dégoûtants. Alors moi, je garde espoir et vous remercie. Laissez-moi vous souhaiter à toutes et à tous une très belle fête du Léris. Je vous invite également à profiter des festivités, celles qui auront lieu demain au sein de notre Parlement, mais également de toutes celles organisées aux quatre coins de votre capitale. Je vous remercie tous.